C'est important pour moi de faire venir Hervé et Nadia, parce que je pense que Hervé et Nadia sont vraiment tout à fait appropriés dans la recherche de la connexion à soi. Ne t'occupe pas de ce qui t'arrête, mais rends-toi disponible pour ce qui t'appelle, ce qui veut dire arrête de t'occuper de tes peurs, mais occupe-toi de ton cœur, du moins écoute ce que te dit ton cœur. C'est pas toujours évident de savoir si nous sommes dans nos peurs ou si nous sommes vraiment dans notre cœur, ce qu'on veut vraiment, ce qui est important pour nous. Et en réalité, Hervé va être là pour mettre le doigt sur ce qui nous fait peur et nous montrer ce que le cœur veut dire. Donc Hervé a ce don de vous aider à vous connecter à vous-même. Je dis ça à chaque fois, je vous envoie plein d'amour parce qu'on n'est fait que pour vivre l'amour. Donc ce travail est très important sur soi pour vraiment être en paix, pour vraiment toucher à cet amour qui est plus profond en notre cœur. Voilà. Je vais juste rajouter ce que je dis très souvent. Le mental peut vous tromper, mais jamais le cœur. En fait, je dis toujours que je suis qu'un support. Je retransmets ce que l'on me donne. Et la façon dont mon canal fonctionne, c'est vraiment pour vous apporter des déblocages intérieurs pour pouvoir être bien, tout simplement. Donc Hervé va s'adresser à chacun d'entre vous. Laissez-vous porter par le message qui va vous emporter sans rien retenir. Les personnes qui viennent à ce jeûne sont vraiment décidées à changer quelque chose en elles. Donc en fait, elles ont déjà décidé ce changement. Et pour moi, il y a une ouverture déjà qui est faite. Elles n'en ont pas complètement conscience. Je dis ça comme ça, c'est comme si elles signaient un accord avec la vie pour ce changement.